Salut YouTube! Bon, je vous fais partager la coupe de bois où je suis en ce moment ce matin là. Ça caille! Il y a gelé cette nuit. Et là, le soleil il est en train de faire tout dégeler, c'est magnifique. On entend le gazouillis des petits oiseaux. Quel bonheur! Bon, en parlant de bonheur, il y a un peu de boulot quand même. Aujourd'hui, là, je suis sur du chêne. Les pros, ils sont passés, ils m'ont laissé les têtes de chêne à faire. Donc là, je suis en train de les fendre. Tac. Il y a le petit tas de branches là qu'il va falloir que j'empile. D'ailleurs, à ce sujet-là, je vais vous montrer une petite astuce là, qui permet que, même si le bois reste... en tas, en attendant d'être débardé, on peut accélérer le séchage. Et ça, c'est super super important aussi, parce que on va gagner un peu de temps, surtout avec du chêne, qui met un temps phénoménal à sécher. Mais bon, c'est valable pour le hêtre, pour le charme, etc. Je vous montre ça après. Bon, la petite astuce pour sécher plus vite son bois, même en forêt. Elle est toute bête, toute conne. Bon, j'ai mis un bout de bois de 1 mètre en travers, parce que je fais du 1 mètre. J'ai mis un morceau assez haut, parce que là j'ai un petit peu de dévers, mais ça n'empêche qu'il faut une certaine hauteur. Une fois que ça s'est réglé, bon, je remets un autre dessus. Et en fin de compte, le vent va pouvoir s'engouffrer par le dessous du bois. Voilà, ça va passer ici et ça va vous sécher votre pile. Allez, c'est pas le tout, on va empiler. Voilà, le bois il est surélevé. Là je vais continuer de faire mes piles. 1 mètre de hauteur. Et je remettrai des bouts de bois en bout. Comme ça, clac. Puis ma pile va continuer jusqu'à temps que j'ai besoin. Bon, il y a tout ça empilé. Hein. J'ai encore un peu à fendre. Ah, il y a du boulot.
arrêté ma pile, puis j'ai changé d'avis, j'ai refoutu deux morceaux en bout, toujours avec mes rails de chemin de fer là pour ventiler dessous. Je ferai ma tête de comment ma tête de pile ici en croisant là, puis en montant en croisant pour que ça se tienne. Ça va m'en faire à peu près 4 austères je pense. Alors l'avantage aussi de mettre des bouts de bois par terre, c'est qu'on peut, si on fait du 1 mètre de hauteur, c'est qu'il suffit de regarder dessous, on prend comme ça fait du 1 mètre, j'ai un morceau qui s'arrête là, j'ai à nouveau 1 mètre, tac, là on voit l'autre qui repart, 1 mètre, et enfin 1 mètre. Donc si je fais ça sur 1 mètre de hauteur, comme j'ai fait là-bas, et ben ça me fera mes 4 austères. Voilà, bon, j'ai de quoi faire, hein. Parce qu'avec ça, plus ça c'est du chêne aussi qu'il va falloir que je coupe, que je débite, que je fende, etc. Donc j'aurai de quoi faire ma pile complète. Allez, bye bye. Salut YouTube. Bon bah de retour dans ma parcelle où il y a du chêne. Bon bah ici là, il y avait une partie de branches de chêne assez balèze. Boum, ça s'est fait. Ça a été fendu, les petites branches, pareil, elles ont été coupées. Je m'étais arrêté sur la pile avec l'astuce là pour faire sécher, vous savez, avec mes rails de chemin de fer, donc je sais que je vais continuer ça aujourd'hui. Il y avait un petit peu de charme là qui traînait. Bon, je l'ai fendu aussi. Et puis là, pareil, il y avait une belle branche là, qui venait jusque là, je crois. Clac. Bon bah ça c'est débité. Il me restera juste comment fendre les gros morceaux. Le chêne. Tac. Après là-bas c'est un autre arbre, là c'est du charme. Il y a quelques morceaux de charme aussi, je vais les trier. J'aime bien trier mon bois. Séparer le chêne des autres essences de bois pour le séchage. C'est un peu plus long. Voilà. Le chantier où il en est. Allez, je vais empiler un peu et puis finir ma pile. C'est parti. Bah, mon copain qui est là, le petit rouge-gorge. Le petit pépère. Allez, à tout à l'heure. Bon, de retour. C'est quasi la fin de la matinée là pour moi. Donc, et ben voilà, la pile elle est faite. Donc, tout le chêne qui traînait ici là, était fendu, ben il est empilé. Donc un petit rappel sur mon astuce. Bon, sûrement qu'il y en a plein qui la connaissent, mais je préfère vous la faire partager s'il y en a qui ne connaissaient pas ça. Mettez deux rails de chemin de fer de chaque côté. Vous empilez votre bois en travers. Bon là j'ai fait un pied de pile. Mais faites ça tout le long de votre pile. Bon, on le voit ici là, ça s'arrête, il y en a un autre qui repart, etc. Voilà. Ça apparemment fin de compte à votre bois de ventiler un peu mieux, beaucoup mieux même. Si le vent est comme ça, bah, ça traversera. Si le vent il est là, bah, ça va traverser, ça va tout s'engouffrer dessous. Alors moi j'enlève normalement les feuilles. Moi j'enlève les feuilles comme ça, ça rentre vraiment bien dessous et franchement on gagne du temps avec le séchage, donc surtout avec du chêne. On répète peut-être, mais c'est un peu long à sécher, surtout en forêt. Bon, il va rester ici un sacré bout de temps. Moi, je commence mes parcelles de bois en septembre. Je les termine au mois d'avril, parfois même. Et de toute façon, ici, on ne peut pas débarder avant l'été, c'est-à-dire juin, si c'est sec, si c'est un été très sec. Mais souvent, c'est juillet-août. Donc bon, ça fait un sacré temps qu'il reste dans le bois. Autant profiter de ce stockage là pour le faire sécher au mieux. Bon, je fais pareil avec les autres essences, hein. Mais pour le chêne c'est vraiment important. Après, prochain chantier qui va arriver demain. Voilà, j'ai commencé à rassembler un peu de charme pour faire la pile. Ça va fendre. Là il me reste quelques morceaux de chêne que je vais fendre, mais comme je l'ai dit, je ne mélange pas mes essences, je les sépare. De toute façon là-bas, là j'ai
j'ai une branche qui est en travers. Et puis là-bas au fond, c'est pareil, là j'ai encore du chêne. Je vais essayer de terminer. Je vais essayer de terminer, non. Là, il y a du boulot. Tout est enchevêtré. Les professionnels m'ont laissé des têtes. Là, il y en a une, deux, il y en a trois, je crois. Il y a au moins trois têtes à faire. En plus, ici, là, c'est tout mouillé. C'est de la flotte. Un peu marécageux l'histoire là. Bref, fin de journée pour moi. Et ben, à la prochaine. Ciao, ciao.